Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Notes au Péri. Nous avons quitté notre petit foyer à 3h15 du matin. Il fait nuit, tout le monde dort, ou presque, parce qu'on a Minnie qui a envie de faire chier son monde, parce qu'elle rentre dans une phase. Voilà. Elle est rentrée dans une phase. Vous aussi, vous rentrez dans une phase, vous faites... Ah! Et ben voilà. Pourquoi pas? Oh! De la neige! Oh merde, ça va être l'hiver. C'est bien quelque chose que j'aime pas. Ça. Quoi? Déjà? Il est 5... Non. Non, 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 non. Allez, pull-cote. Les vieux. Je sais que les vieux, ils aiment bien se lever tôt, mais merde. Mon pull-cote, il va claquer. Hein. Enfin pas. Ah bah, ils nous ont dit la dernière fois qu'il allait claquer, mais finalement, il est encore un peu drabé. Alors, elle! Déjà, tu vas te calmer, hein? Il y a forcément à bouffer en bas quand même, non? Putain, en plus... Mince. Merci Nani pour les petites cheers. Je m'étais dit, ouais, avant le live, je vais pour arranger la cuisine. Et puis, bah, je l'ai pas fait. Comme je vous ai dit, j'étais en train de comater à moitié. Donc, bah, du coup, voilà, je n'ai rien fait du tout. Est-ce qu'elle travaille? Non, elle va se lancer dans sa carrière, du coup. Mais tu vas bouffer, connasse! Tu m'énerves. Elle peut pas le prendre. Oh, elle m'énerve. Alors, athlète. Voilà. Elle est au niveau 2. Waouh, mascotte de l'équipe. S'est lancée dans la carrière d'athlète. Vas-y, va bouffer. T'es chiante. Commence pas à me casser les pieds, hein, je te le dis. Alors, il faut aussi savoir que nous avons. J'ai relooké Ouragan, qui n'a plus du tout le même look. Hein, Aou, aou, graou, graou, hein, quand même, il est beaucoup mieux comme ça. Donc il va venir. Il va venir à la maison. Juste comme ça pour discuter, voyons. Ah, c'est vrai que j'avais les exhibitionnistes, regardez, ils sont magnifiques. Ils se sont positionnés dans la salle à manger, genre tranquille. Ah, Ouragan dort, ah, bah, zut. Bah ouais, il est pas 6h30, hein, le pauvre bichon. Ah, ça y est, ils vont tous avoir froid. Ok. Toi, tu fais quoi? Toi, tu discutes avec ta sœur? T'es en cloque, toi, ou pas? On t'a fait niquer avec... Voilà, dernière chose qu'on a fait la semaine dernière, effectivement. On avait fait faire crac-crac avec... Avec qui, déjà? J'ai oublié. Avec Duncan! C'est vrai. Duncan Caillou. Mais, bon sang! Oh là là, non mais là c'est une catastrophe là. Mamie, tu viens là parce que tu vas faire à bouffer parce que j'ai l'impression que c'est des incapables tes gosses là. Mon nuage, tu finis de faire ton truc, puis maman elle va faire à bouffer. Les cours de Minnie commencent dans 1 heure, travail de perles et le chèque de pull-cote. Très bien. Bon, arrête de discuter! Elle m'énerve. Quel temps perdu, c'est incroyable. Toi! Du coup, elle a rien bouffé, elle. Va bouffer un truc dans le frigal! Non, toi pas. Ah non, allez, oh, couillon. Casse les pieds! Ils ont rien à bouffer, mais c'est quoi cette famille là? T'as rien de chez rien. Oh, tu devais ouvrir des géodes, toi. Ah bah, tu vas les ouvrir aujourd'hui, mon coco, moi je te le dis. Qu'est-ce que t'as? J'ai raté le jour férié. Pardon, excusez-moi. Tu vas me faire une salade de fruits, allez. Ça te demande pas d'aller à la gazinière et puis ça va t'occuper. Y a personne qui glande quoi que ce soit. Tu peux prendre une douche, toi, s'il te plaît? Je suis pas sûre qu'elles sont en cloque. Pour discuter. Bah quoi? Faut bien discuter avant de faire des choses, non? Ah bon, après chez les gens, non, hein, ça va directement. Hein, toujours quand même un peu vieux hein, pour elle, hein, mais bon. Elle a grossi Nathalie. Oh, bon, ça, c'est le vieil âge. Hein? Elle est devenue sénile en même temps, tout ça. Donc, bah, elle a pris un peu de. Bah, voilà, hein, comme on dit. Hein. Enfin, comme on dit, je sais pas. Moi, je suis pas. Ok. T'es pas en cloque? Vas-y, va tester. Comme ça, tu dégages.
Si t'es en cloque, tu dégages. Et si? Ah oh, bah alors, le jeu, il a voulu me prank. Mon mini, elle se casse à l'école. Tu vas faire des amis, toi tu vas aller taffer. Tu vas pas au boulot? Mais va au boulot! Grognasse, pourquoi tu vas pas? Oui, alors, je suis violente. Et alors? Bon, toi t'as mangé. Non, il est. T'as pas appelé Martingale, là, comment il s'appelle? Non, c'est pas Quentin. Ouragan. Punaise, je l'ai pas reconnu! J'ai dit, c'est qui ça? J'avais oublié son petit look d'hiver. Ah ouais, il va falloir qu'elle repasse par la case relooking, je pense, surtout. Mais oui. C'est quoi cette table de massage en plein dans la cuisine? C'est pour les exhibitionnistes? Bah, c'est pour ça qu'il fallait que je la refasse, parce que ça, c'est n'importe quoi, c'est d'avoir ce truc au plein milieu. Ça me fait marrer. Oh là là! Ouh, alors bon, hein. On reviendra sur le fait que son habit est divers. J'ai retouché que ses cheveux et son look de base, hein, bien sûr. J'ai estimé que ça devait aller. Je me souviens plus, j'ai pas dû faire. Et les BG quand même, hein, le petit ouragan, regardez-moi ça. Ah, il est mieux, hein, comme ça, qu'avec son crop top, son short rose et puis ses bottes, hein. Oui, c'était lui qui est habillé comme ça la semaine dernière. Il a quand même une meilleure gueule maintenant, hein. Et on va te demander de regarder les nuages, nuages! Putain, il est que ado, on peut rien faire. Oh mais non, c'est tellement pas drôle tout ça. Tu grandis quand, toi? Ouais, Pierre, laisse tomber, on va jamais y arriver. On va devoir taper dans... Patrick, il est chauve. Ado, ado. Allez, Gray, il y en a quelques-uns là qui sont jeunes adultes. Allez, toi tu vas la... Ouais, vas-y. On va lui demander de partir, il va pas nous servir au final. Désolé. Bon, évidemment, moi je suis restée sur Adonis, hein. Adonis sera notre amoureux. Mais il est jeune encore, donc on va devoir attendre. Au pire, on le fera emménager et faire grandir un peu plus vite. Allez. Hop, tu l'invites à rentrer, celui-là. Anniversaire du patron. Perle veut offrir un cadeau d'anniversaire à son patron, mais ne peut pas quitter le travail pour l'acheter. Comment doit-elle faire? Est-ce qu'elle le commande sur Internet ou elle le fabrique? Un cadal, à votre avis? Tu trouvais que ça avait du style la table de massage en plein dans la cuisine? Oui, bien sûr, c'est spécial. On aurait dit Woody Woodpecker. Je connais pas. Fabrique commande, ok. Si tu as un gâteau d'anniversaire, tu peux lui faire souffler. Oui, mais bon. Allez, deux pour Fabrique. Hop, trois Fabrique. Je dois y aller, c'était sympa. Mini a rencontré Patrocle. C'est quoi ce nom? Patrocle. Allez, tu vas le complimenter. Tu vas le gonfler. Oh oui, tu vas le gonfler à bloc. Dans le bon sens, hein. Pas dans le sens... Là, tu vas. Voilà. Tu t'en fous si c'est un triton. Même s'il peut. Il y a potentiellement des grandes chances que tu vois sa queue. Ah bah pour être triton, en même temps, c'est normal qu'on les voit sa queue, là. Hein, sa queue de triton. Patrocle. Oui, c'est ça, Patrocle. C'est un dessin animé? Ah bon? Je connais pas. Je suis pas très dessin animé. Moi, je suis une vieille, hein. Ça fait longtemps que je regarde plus les dessins animés. Hein. Oh punaise, les vieux ils vont se faire des massages. Pourquoi t'es tout rouge en bas? Pourquoi t'es... Elle nous a fait quoi? Elle nous a fait le moonwalk? Le Natalie Walk? Le Natalie Walk? Oh bah d'accord, la femme de ménage elle a déjà fini. Oh bah c'était trop propre. C'est pas bien. Je me suis trompée. Faut pas qu'il drague, hein, parce que ce serait dommage. Parler du temps nuageux. Bon, faut que tu... Voilà, hein, faut que ça monte, là. Et pas que l'amitié. Pardon.
discuter d'hydratation. Comment s'est passée la journée? Tu vas encore faire connaissance. Faire connaissance. Discuter de ton groupe préf. Ah bah! Les vieux, hein. Ils savent plus quoi faire. Massage, chanson. Discuter sans intérêt. C'est un geek! Attendez. Il est geek. Sans emploi. Oh, c'est un chômeur. Comme moi. Taper dans le ballon. Non, non, c'est bon. On va pas taper dans le ballon. On va taper dans les boules. Oh, pardon! Oh là là, dis donc. Beaucoup, 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 beaucoup. De blabla autour du sesque, hein. Allez, tu vas commencer à le draguer un peu. Imitation, d'accord. C'est un dessin animé, le personnage a le même rire que tu as fait. J'ai déjà oublié. Mais non, t'es pas vieille. Sacré bug. Salut Ricardo! Ils ont de quoi s'occuper, n'empêche. Mais oui! Toi, je les laisse vivre, moi, les vieux. Elle a bonne réputation pour l'instant, hein. Donc tant mieux. Complimenter. Partager des photos. Il a bien pris ta dragouille ou comment ça se passe? Tu vas le redraguer. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre avec toi? Il est OP! On va le... Mais reviens! Mais j'ai cliqué! Commence pas à me casser les pieds. Là, franchement, là, je suis fatiguée aujourd'hui. Commence pas. Hein, j'ai cliqué. Parler avec lui. Tu vas parler avec lui. Technique de drague. Voilà! Ah, c'est comme ça que ça marche maintenant! Complimenter l'apparence. Ouais, t'es beau gosse. Et tu sais que t'es bien habillé? Ah non, ça, c'était Bordeaux. Oh là là, suggestif, tout ça, embrasser les mains, vas-y, rapprochement. On se rapproche, on se rabiboche. Alors, on se rabiboche, mais quand on s'est jamais rabiboché, vu qu'on se connaît, on n'a jamais abiboché, donc on s'abiboche et on se rabiboche. Oh yeah! On est bien d'accord, 1, 2, ce sera le troisième. Pauvre chou. Premier baiser, échangé avec... Dans l'entrée! Et t'es un triton, mon vieux con! Et je vais voir te niquer! Qui c'est qui est là? Oh! C'est notre Duncan, mais elle est pas là, Perle! Et puis là, elle va être occupée, la petite nuage, donc si tu veux. Elle va aller faire un tour. Dans le placard, merde, s'il te plaît. Voilà. Là, tu complimentes tout ça. Tu peux pas dans ce placard? Mais si, tu peux dans ce placard. Tu peux dans le lit? Il peut pas encore dans le lit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Offrir une rose. Oh là là, la mûre! La mûre, toujours, la mûre. Faut que tu lui roules un gros palo, je crois. Oh punaise, mais... Puis elle pète en plus, cette grosse dégueu. Mais non, pas ça! J'ai pas dit... Il m'énerve. Je sais pas, aujourd'hui, ils vont m'énerver. Voilà, la grosse paluchade. Allez, tu vas pouvoir aller dans le... Voilà, faire crac-crac avec Grey. Voilà, hein. Cette fois-ci, c'est du vrai crac-crac. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible! Vas-y! Pourquoi il faudrait que je fasse un bébé là? Calmez-vous le jeu! Tu m'énerves, hein? Le jeu il m'énerve! Hein. Mais arrête, Pulco! Laisse ta fille tranquille! Punaise, il va se barrer! Oh putain, mais c'est quoi ces actions qui sautent là? Ça m'énerve! Poser une question risquée! Parce qu'il veut se barrer, hein, c'est pour ça! Ouais, je l'ai vu! Même pas, il veut rester pour taquiner le goujon! Attends, c'est... Demander de rester... Bah, y a pas... C'est pas possible. Quand même.
Vas-y, va le rouler encore une galoche. Demandez de son petit ami, comme ça moi c'est fait. Nathalie Tanaka. Bah tant mieux pour elle. Oh, c'est compliqué là pour. Hein? Voilà. Voilà, gros palot. C'est bon, on peut y aller dans le placard? Je jure, je vais péter un câble. Placard! Oh, dis donc! Complexe, hein. Oh, Minnie revenue de l'école, elle a eu un A. Toi, je t'ai pas. Ah ouais, tu te fais travailler déjà dur, c'est bien. Là là, ça existe une relation au mot. Bah, oui, mais tu peux avoir le ton Sims que tu contrôles. Tu peux le faire aller avec des hommes ou des femmes ou les deux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même créer des personnages en transgenre aussi dans le Sims. Tu peux maintenant. Elle lâche une caisse et lui envoie dessus. Peut-être s'il aime l'odeur, c'est gagné, hein. C'est cramé, Duncan rentre chez Watt. Ouais, non, mais c'est pas grave, Duncan. Un plus un 3, c'est possible. Non, non, mais il va aller avec Pearl. Pearl, elle va rentrer et puis. Oula, elle est claquée, la pauvre. Voilà. Bon, il va rester son petit copain quelques jours, hein. 2, 3 jours. Après, on le plaquera. Salement. Bon, vous allez vous laver? Vous allez faire ça dans la douche? Voilà. Tac, tac, tac. À qui la compétence bien-être? Oh oui, la douche! Et hop là! Ah, bah la voilà, Perlouse! La Perlouse, regardez. Est-ce que tu vas larguer une caisse comme tu fais d'habitude? En tout cas, elle a été promue agent de terrain. Et elle gagne désormais 16 simflouzes de plus par heure, soit 37 simflouzes de l'heure total. Elle a également reçu en bonus 422 simflouzes. Très bien, ma Perlette. Quelle tenue dégueulasse que tu as. Écoute, ton mec est là. Du moins, il l'était. Il ne l'est plus. Je l'ai perdu de vue, j'ai pas fait attention, je crois qu'il s'est barré. Peut-être est-il dans le coin, mais je ne pense pas. Bah écoute, tu vas l'appeler. En plus, t'es claqué, ma belle, mais bon, tu vas l'appeler, hein, c'est comme ça. Ouais, il est pas là. T'as la gerbouze. Tu vas dire à ta rhum que t'as. Non, à papa avant. Papa. Papa, papa, il est au chiotte. Papa, il faisait caca. Tu vas partager la grande nouvelle à papa. Papa, il se dit, oh, je sens que quelque chose va m'être annoncé. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est triste? Oh, il a froid, bichette. Bah oui, tu restes en pyjama, mon gars. Habille-toi. Fais quelque chose dans ta vie. Nobu! Voilà, elle va avoir un petit bébé. Ah voilà, bah, tu vois, t'es plus cool, il est en tous ses états, il a fallu qu'il s'habille en entendant ça. Ah mais il est déjà là, lui! Mais nickel, hein. Partagez la grande nouvelle. Toi, là. Toi, tu vas aller faire tes devoirs un peu. Minette. Tandis que notre nuage préféré s'est bien fait ramonner. Je suis horrible aujourd'hui. Je pense qu'Adonis il va rejoindre le foyer assez rapidement. Ça, on pourra le. On sera sûr qu'il ira pas copuler avec d'autres, tu vois. Il n'y a pas que les actions qui sautent. J'avoue. Réunion au sommet. Bah, c'est ton gars, hein. Tu peux. Chatouiller sans pitié. Vas-y, hein. C'est ton mec, hein, maintenant. Comment s'est passée la journée? Tenter un rapprochement. Calme-toi, Perle. Il veut plus jeter des moudous. Ils sont déjà, ils sont ensemble, hein? Ouais. Il va avoir un bébé maintenant. Ah, oh, il va avoir un petit bébouille. Trop bien. Vous voulez savoir ce qu'elle va avoir ou pas? Garçon, fille, jumeau, jumelle. Est-ce que vous voulez savoir?
La galère internationale, j'avoue. Elle a pas encore pété. Surtout Perle, à chaque fois qu'elle revenait de l'école ou quoi, elle larguait une caisse. Hein. Mais qu'ils sont mignons. Non, ça va faire un joli mélange. Ils sont des amoureux, quoi, maintenant. Nous avons des amoureux sur les bancs publics. Et par contre, on a. Je suis en train de me dire. Tu vas faire. Alors, tu vas te changer. Tu vas te changer parce que je veux pas que tu sois habillée comme ça. Oh là, la robe! Quelle horreur! Et avant que Pulcote s'en aille, je vais faire une photo avec lui, hein. Parce que je suis en train de voir ça et je me dis mince. Je sais pas si j'ai. Ouais. Et après, tu pourras te barrer, en fait, Perle. Voilà. Ça, nous avons notre héritière et son daddy. Oups, pardon. Choupette. Elle est quand même choupette, on va pas se. Pff, et juste après, il fait là une grimace. Oh, ils sont bons amis maintenant. Bah, c'est beau, tiens. Donc vous me disiez de quoi? Non, surprise, non, vous voulez. Alors oui, non. Oui, on veut savoir, non, on veut pas savoir. Oh, le bisouille! C'est trop chouquette! Par contre, eh, mais vas-y, demande-le en mariage. Vous serez fiancés comme ça. Je les marie pas, mais je les fiance. Ça, lui, c'est sûr, il ira pas voir ailleurs. Enfin, j'espère. On va aller voir. Non, et pour l'instant, il n'a pas de maison. Enfin, il n'a pas de maison. Pfff. Il n'a pas d'enfant. J'en peux plus de moi. Toi, tu vas faire à bouffer. Servir le dîner, des gnocchis à la courge. Allez, vas-y. Non, oui, mais laisse ta fille faire ses devoirs. Nuage, bon, voilà, t'as eu ton troisième mec. Qu'est-ce que tu dois faire au boulot? Tu dois être entraîné. Tu finis de manger et après, t'iras t'entraîner, cocotte. Hein. Voilà, entraînement. Voilà, voili, voilou. Perlouse. Perlouse, elle mange. Perlouse, tu vas te barrer. Perlouse, tu vas te barrer. Il est où son mec? Ça y est, je l'ai déjà perdu. Il est là. Vous allez emménager ensemble, là, je sais pas quoi. Là, voilà. Moi, je me concentre. Ah bah ils vont habiter à côté, c'est cool. Hop, au revoir. Au revoir. Regarde, ils vont habiter avec. Bah, comme ça, formeront un grand foyer. Il y a de grandes chances que je sois à côté chez Perle, mais c'est pas grave, on retournera aussitôt. Bah oui, ils sont mignons. Les carottes sont épluchées, coupées. Il y a plus qu'à. Tu te fais quoi à manger ce soir, Marie? Et nous que Nathalie. Ouais, Nathalie, je l'avais lookée comme ça quand elle était plus jeune, donc ça allait bien, mais là, elle fait via. C'est mamie, donc. Pas terrible, terrible. Hein. Et voilà. Donc. Nous allons aller tout de suite dans Gérer les mondes, sauvegarder Gérer les mondes. Et adieu, Perle. Elle habitera à côté, ça va, c'est bon. Casser les couilles. Carottes Vichy. C'est quoi des carottes Vichy? Je crois que j'ai déjà entendu, mais je suis pas sûre. Voilà, donc Perle, elle habitera ici à côté. Hein. Ça va. Ah, j'ai une jambe toute engourdie d'un coup. Oh la vache! C'est trop bizarre. Adieu, Perlouse. Pourquoi pauvre Perle? Mais elle est heureuse, tu vois. Elle va avoir un. Elle va son chéri, tout ça. Elle va avoir un petit bébé. Elle a du boulot. Tout va bien, tu vois. Donc, heureux, tu vas aller t'entraîner. Oui, je sais que t'en peux plus. Pulco, non! Va manger, va te doucher. Toi, les gnocchis à la courge. Hop. Tu t'y remets. Et voilà. Vas-y! Mais Pulco! Oh, c'est pas vrai! Ils sont chelous, hein, sans mon jeu, c'est pas possible. Hein. Voilà.
Entraîne-toi. Fitness, on est déjà à 6. Ça va aller vite hein, pour cette génération. Il y aura surtout le champ à bosser, quoi. Le champ, les gamins! Et c'est quoi le dernier truc? Je ne sais plus. Je ne sais plus quel est le dernier bazar, truc mûche. À l'aspiration. Ah, éducation! Oh, marde. Faut l'éducation avec. Faut de l'éducation. Je veux pas. C'est nul. J'ai fait, mais sans vouloir, l'éducation niveau 10. Des carottes avec de la crème, d'accord. Sauf ceux de la cantine. À 50%. N'empêche, avec un niveau 6, j'ai eu que hein, le stade 2 de l'athlète. Là, c'est un peu abusé quand même. Mais sinon, tu peux te barrer, tu sais, Donkan, là. Non, il est beau gosse. Je pense qu'ils vont faire des beaux petits bébés. Hein. Ah, là, ça, c'est bizarre qu'ils sont que 5. Et tes devoirs, toi, là? Tu te crois où, là? Tu te crois chez mamie? Mamie, elle est claquée hein, depuis longtemps. T'étais même pas née. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve un peu nul, c'est que les. Quand ils sont personnes âgées, en fait, par rapport à leurs enfants, le temps qu'ils pondent et tout, des gamins, y en a beaucoup, moi, qui sont en personnes âgées, qui ne connaissent pas leurs petits-enfants. Dans la vraie vie, il y a de très grandes chances que les gens connaissent. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais d'où t'es déjà couché, toi? Mais t'as vu la Vierge ou quoi, là? Allez. 50%, là, le boulot. Ah, elle travaille dans 3 jours. Ça va, on a le temps. Mais je veux dire que ils sont très vite. Enfin, ils meurent très vite, en fait. Ils n'ont pas le temps de vraiment connaître leurs petits-enfants. Et je trouve ça nul. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est un peu comme ça pour toutes mes parties. Alors, les gnocchis à la courge. La salade de fruits. Hop. Et là aussi. Hop. Allez. Ça, c'est... Et ça, c'est quoi? Nathalie. Tu retournes. J'ai rien calculé, ils sont tous partis dormir. Et... Parce que là, Kulko, il va se barrer. Il aura même pas vu ses petits-enfants. Hein. C'est triste quand même. Ouais, elle fait ses devoirs dans la chambre des parents. Elle... Oui, c'est belle, ma petite nuage. J'allais dire ma petite pulcote, mais non, c'est... Voilà, petit nuage. Faudrait que je lui trouve un nouveau surnom à nuage. Nunu, peut-être. Nunu. Je vais te kidnapper et t'installer sur l'étagère de ma cuisine pour que tu donnes des bonnes idées de recettes. Oh, putain. Moi, j'ai acheté des pommes de terre parce que je vais me faire des pommes de terre, mais une purée. Pommes de terre brocoli. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Donc je me dis que je vais me faire ça. Nunuche. Moi, dans ma partie, mon mec est mort à peine passé le stade senior avec un crac-crac ou deux. Ah ouais. Le crac-crac qui l'a. Bah, il est mort heureux. Hein. C'est au moins ça. T'as fini C'est bon. Alors, tu vas sûrement pas faire ça. Tu vas aller manger un coup et puis tu vas aller dormir. Elle a presque pas sué. C'est beau, hein. Bon, il y avait à bouffer là, mais... Gnocchi à la courge après le sport, c'est trop lourd. Elle préfère manger des fruits. Ouais, je me suis fait un petit smoothie là, après, en guise de dessert. Banane kiwi. C'était bon. J'ai repris des bananes d'ailleurs. La meuf qui est accro aux bananes. Salut maman grenouille, comment tu vas? Âge, âge. Oh, c'est un peu chelou, âge, âge quand même. Hein. Bah, t'aimes pas les brocolis? Bah écoute, toi t'aimes le beurre. On peut pas tout faire en même temps. On n'a pas les mêmes goûts, hein. Bon, par contre. Va te coucher, mamie. Va te coucher. Ok, nous allons passer en mode
Construction, parce que là, c'est plus possible, nuage. C'est quoi cette chambre? Cette chambre d'enfant. Et je vais donc virer. On va recycler la chambre de perle vu qu'elle n'est plus là. Pour en faire la chambre de nuages, tout simplement. Oh, merci Tatou pour l'abonnement à Prune. C'est super gentil. Merci beaucoup. Gros bisous. Le smiley boule est bienvenu Prune parmi les petits culs. Ah, ou les officiels. Bon, ça va, maman grenouille. Ça fait plaisir de te voir. Est-ce que ça se passe bien, le confinement, tout ça? Du coup, je vais peut-être faire un bureau. Ici. Nous allons installer un lit de place, vous voyez. C'est une femme maintenant. Elle a... Voilà. Oh! Oh! En plus, il est gris et prune. Parfait pour la génération d'après. C'est parfait pour que voilà, ils soient motivés à faire des bébés là-dedans, vous voyez. Non, en vrai, il existe en gris tout court, parce que j'ai mis la nuit en fait, donc c'est un peu chiant. Blanc. Oh, est-ce qu'on le met en blanc ou en gris prune? En gris violet? Il est joli. De toute façon, il est toujours beau ce lycée. C'est un truc, voilà. On n'y peut rien. C'est la beauté même. Je vous rappelle que quand je l'ai découvert en live, j'en ai chialé tellement j'étais. Waouh, voilà. Aller faire une chambre de ce nom, cette petite héritière. Gris prune? Ouais, vous avez bon goût. Hein. C'est pour ça que je vous aime. Nous sommes dans le gris prune du bois blanc. Ah bah super, je vais mettre ça. Bon, ça suit pas trop, on s'en fout. J'aime trop ce kit. Pa. Bon, c'est les rideaux, on va les laisser comme ça. On va mettre un beau petit tapis, évidemment. On va mettre couleur grey. Un peu de mauve du coup. On va essayer de voir ce qu'il y a. Ah, mais ça va être un peu ma génération préférée, la mauve, là. Moi, je vous le dis, hein. Il y a intérêt que ce soit des gamines qu'on a, hein, parce que des filles, hein, parce que je vais être un peu frustrée si c'est des garçons, hein. J'ai rien contre les garçons. On a eu deux héritiers, garçons. Mais là, pour ma couleur préf. Pour ma couleur préf, faut pas déconner quand même. Tu vois? Bon, écoutez, c'est bien, là. On va mettre des plantes. J'ai pas mis de plantes. Il n'y a pas de plantes dans cette maison. Comment j'ai fait? Parce qu'on a fait tellement rapidement aussi cette baraque que j'ai dû oublier de mettre foutre des plantes. Oh, ça passe dans les murs, on s'en fout. Bon, je dis, on est écolo, nous, alors on est bien. On va le refourguer dans la chambre de comment elle s'appelle? Mini? Non, on va les mettre dans l'inventaire de famille. On a déjà un PC en bas, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup? On va y mettre le petit fauteuil de mini maison là où il est. Je pense que c'est dans plus comme ça. Ça ira très bien à la chambre. Ah oui, bien sûr, t'as juste pas la couleur qu'il me faut, toi. T'as décidé de m'emmerder, hein, en fait, c'est ça? Non, je veux ça. Écoutez, on va même me mettre dans la chambre, là. Ouais, y a pas de déco, hein, dans la maison. J'ai un peu légèrement oublié la décoration dans cette maison. En même temps qu'on voit les toutes les. Oh. Oui, non, bah ça c'est à cause de perles qu'on a récupérées. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Carrière astronaute, bah ça c'est tous les trucs que Pulco nous a fait gagner. Ah, il y a des photos ici.
Oh, Bordeaux. Bordeaux et sa maman. C'est vrai. Je pourrais mettre ça. Ça, j'enlèverai ça. Oh, violet. Ouais, c'est bon. Hey, c'est bon. On va pas faire construction pendant 10 ans. Certains packs, je les voudrais pour le CS et la constru, mais le gameplay, je m'en contrefiche, genre monde magique, Strangerville, Paradisiaque. Non, ça va. Ça a essayé, tu vois. Merde, j'ai laissé le truc au milieu. Oh, on s'en fiche. Hey, tu peux aller dormir dans ton nouveau lit. Waouh. Ah, ça, c'est la classe. Voilà! Nuage à sa chambre de grande fille. Oui, c'est vrai, ça ramène toujours quelque chose. Oh punaise. Méchant Twitch qui bug quand je fais un cadeau, je me vengerai. Pourquoi il bug? Mais non, ça a marché! Si c'est possible. Oh, je suis fatiguée. La vie d'organome, il y a plusieurs niveaux d'étage. C'est ça. Putain, mais j'ai toujours des mouches de merde là qui viennent m'emmerder. Oh, papy! Papy Mougeot! Allez, va pisser! Il sait plus se gérer tout seul, Pulcote. Va chanter sous la douche. Vas-y, casse-toi la mouche là, ta mère! En plus, elle passe juste devant la cam. Saloperie. Je sais pas si vous l'aurez vu. Ah! Bah, tu pourras aller réparer les toilettes après, hein. Saloperie. Jungle, j'aime beaucoup le contenu, mais j'ai jamais foutu les pieds dans la jungle parce que ça m'intéresse pas de le faire. Ah non, tu devrais quand même. Non? Tu vas faire quoi? Tu vas parler la saucisse à ton père? Eh ben c'est trop. Ah non, c'est bon, elle l'a pas vu. Oh, pourtant, puis t'iras à manger. Excusez-moi, je l'ai pas eu. Elle est où? Ah, elle est descendue. Toujours à la table de massage. J'ai honte de cette maison, j'ai honte. Puis elle va aller au boulot, Perloute, aujourd'hui. Perloute. Nuage, Nunu. Je sais plus. Mais allez vous asseoir là quand même, vous avez un truc. Ok, 1400, super. Peut t'asseoir aussi, hein. Vous pouvez discuter, hein. Miner la journée. Conversation profonde. Parler de ton groupe préféré, tout ça. Elle est trop belle. Quel dommage. Après, je critique pas du tout, j'adore regarder les let's play sans séparer. Ah, bah tant mieux! Ah, bah elle va être encore plus musclée, hein! Pff, mais c'est vrai que sur une fille, c'est un peu moins sexy les muscles saillants comme ça dans les Sims. Sur les mecs, on a bien vu sur Pulcot ce que ça faisait, c'était agréable à voir, mais sur les filles. C'est pas trop ça, hein! Tu bosses à quelle heure, toi? Ah, mais tu bosses pas, c'est le week-end! Oh, c'est le week-end! Qu'est-ce qu'on fait alors si c'est le week-end? On va chanter? Putain, mais casse-toi la mouche là! J'en peux plus. En fait, je sens tellement mauvais qu'elle est attirée par mon odeur. C'est le week-end, on est samedi, ils sont pas foutus de faire une grasse mat. C'est la joie. C'est l'allégresse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi ce truc? Bon bah d'accord. J'avais pas vu.
Mais quand vous êtes sub, ça monte deux fois plus vite. Hein. Alors. Zinzinulé. Et moi, je veux des vrais mots, hein. Si c'est pas un vrai mot. Je me sens dépouillée. C'est quoi le mot mon chat a bu bug bug? C'est zinzinulé, que je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, tu peux du coup, ma chère Tatou, tu choisis entre Lord and Lady 13 ou la vidéo sur le château. Sur la vidéo sur le châtal sombre, qui sera une visite guidée, c'est pas un speed build, c'est la visite. C'est Tatou qui a acheté. J'ai toujours pas trouvé le mot adéquat, je vais demander à monsieur, devrait être de bons conseils. Ah, oh, bah tu vois, alambiqué déjà, tu vois, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon bah, viens chanter. Faire du vélo ici. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un vélo. Chanter en duo country avec Minnie, allez. Elle est qu'au niveau 3, hein. Ouais, au niveau 1. Ah, ça sent hein, qu'elle est au niveau 1. Ah, ça, tu l'as dit, c'est l'écrit que fait une mésange ou une fauvette? Bah tu vois, je commence déjà à avoir des idées, non mais. Elle est bébou. Elle est au niveau 4 du chant. C'est bientôt une star internationale. Regardez, elle commence à avoir des étoiles. Je pense que dans le Nedi, ça peut être facile parce que j'ai envie de dire, oh, il y a des oiseaux qui chantent. Oui, c'est pour ça que tu peux choisir Lord Nedi ou la vidéo du Châtal. Ah, c'est trop drôle! Hey, chanter en duo de la pop avec toujours Minnie, on s'en fout. Ah ouais. Très logique. J'aurais dû faire le Lord and Live aujourd'hui, je le savais. J'aurais dû faire toutes mes vidéos aujourd'hui. Bon, avant le prochain live sur le Note Soberry, j'irai rattraper mon retard. Ah oui, parce que oui, si tu... Là, tu vas rien comprendre. Zumba Zumba. Wouah! Zobiday. Elles sont belles, hein, ces deux petites là. Franchement. Oui, j'ai pris les photos. Ouais! Et alors, comme dirait l'autre, balade. La balade des jumelles. Ouais, non, elles sont pas jumelles, mais c'est vrai qu'elles se ressemblent quand même un peu. Faut bien qu'elle chante, hein. De toute façon, faut qu'elle aille au max, hein, donc. Gabouflos. Je suis sadique, le Châtal. Châtal, allez! Très bien! J'ai déjà une idée, t'inquiète. Vaut mieux avoir des idées avec les mots, hein, parce que vu que ceux que vous me calez. Des fois, je me dis, bon, alors, comment je pourrais le tourner dans le contexte de l'épisode et tout? Pourquoi tu la connais cette chanson? Woozy Blind?
Ah, c'est pas vraiment le genre de musique où il faut bouger comme vous bougez, hein, mais bon. Oh, elles sont trop chouquettes! Pardon. Putain, là, c'est boobs, Mini, laisse tomber, hein. Ça, tu fermes les yeux, cocotte. Je suis perdue. Eh ben, écoute, tu vas chanter une chanson avec ton papa. Voilà. Parce que nous, on aime ça. Ah, oh, mais barre-toi, Minnie. Allez, commence. Allez, la country avec Pulcote. C'est vrai que vous voyez pas. Oh, forcément, oh, Pulcote, il chante pas aussi bien. 560. Ah ouais! Elle est chantée à chaque fois qu'un chanteur passe à l'EHPAD. Quelle chanson tu parles? J'ai l'impression de me voir au karaoké en regardant. Oh là là, Pulco! Et je Putain, comment il chante, on dirait Bart, Homer Simpson. Il dirait la voix d'Homer, j'en peux plus. On dirait la voix d'Homer. Waouh! Eh ben, vous aviez aucun spectateur, c'est ça qui est beau. attends, t'avais pas, hein, y avait pas quelqu'un qui avait un appareil photo dans son truc? Ou je fonds con? Je fonds. Ah oui, c'est vrai que tu dois ouvrir tes géodes, toi. C'est pas elle? C'est pas elle. Bah, je croyais avoir vu. Un... C'est peut-être Perle finalement qui avait un appareil photo. Tu vas bouger tes fesses, Pulcote? Tu vas t'asseoir. Vas-y. Va reposer tes vieilles fesses. Et elle va chanter une chanson avec sa maman. Du jazz avec ma main. Ma main. Bah, il faut bien travailler son chant, donc autant faire avec les parents et tout, quoi. Ça donne un peu de dimension à la familia. Oh, Nathalie, elle est à fond. Par contre, la nuage, elle galère un peu. Tu as fait allusion, enfin, je crois. Pulco, quelle horreur. Ça se trouve, je folle l'île. Pulcomère. Bon app, Pauline. Bon, là, on prend le temps, hein, tranquille. Hein. C'est quoi cette chanson de merde? Je l'aime pas, celle-là. Elle a des étoiles, hein, la petite nuage, hein. Nunuche. Ouais! C'était super. Comment tu vas, ma belle? Est-ce que tu es encore en forme? Tu vas t'habiller? Tu vas t'habiller, tu vas t'habiller. Je veux que tu t'habilles. Après, tu vas te plaindre et tout, machin. Oui, il fait froid, gna gna gna. Tu vas pas rester en pyjama toute la journée, connasse. Et tu vas s'entraîner à jongler? C'est nouveau ça? Ah ouais, ah, avec le ballon! Ça fait monter le fitness! Dans ce cas, je vais la laisser faire un peu. Oui, bah, on va la laisser faire un petit peu. Minette! Elle... Bon bah voilà, elle a bossé. Ah, franchement, je devrais lui faire avoir un mec, mais bon. Il est trop vieux son mec. Patrocle. Achille! Arc-en-ciel. Ah bah oui, c'est vrai. Patrocle arc-en-ciel. Il y a Quasimodo aussi. Mercure. Mercurochrome, le pansement des héros.
Elle gère. T'as fait 92 passes hein, quand t'as été élu, hein. Pourquoi je bouge? Ah non, je bouge pas. Bah si. Non, c'est les fougères qui bougent. Mais ça me donne l'impression de bouger alors que je bouge pas. C'est assez bizarre. Très bien. Bah écoutez, hein, on va la faire. Clac, 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 clac. C'est type nautique, vous ne pensez pas? Non, Pulco! Merde! J'ai cliqué sur. Non, Pulco, tu vas te tuer en faisant ça. Va jouer aux échecs plutôt. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Oh là là! Oh là là, j'ai mal chanté, je vais aller me cacher! Ça monte? De toute façon, il faut qu'elle s'entraîne. Bah voilà, c'est ça. Oh, il va falloir monter le charisme aussi, c'est ça, tu es en train de me dire là? Jean-Pierre! Chant, éducation, fitness. Mais à mon avis, avec la carrière, il faut monter le charisme aussi. Oh non. Vas-y. Tu pues, tu vas aller chanter sous la douche. Comme ça. Ça fait monter. Enfin, j'entends rien, mais. Ok, elle a pas chanté. Elle a pas chanté beaucoup. Tu peux aller pipi. Bon, c'est un week-end tranquille. Peut-être que le dimanche, on va bouger un peu. Hein, je sais pas, je me dis que quand même. Pourquoi pas? Va manger aussi, non? Qui c'est qui a pété? Je crois que c'est elle qui a pété. C'est notre nunuche nationale qui a pété. Un jongle en talon, tout va bien. Eh ben écoute, c'est le skills, ça. À un moment, tu vois, elle gère tellement bien le ballon que. Si elle ne refait pas 92, on prend Minnie en héritière. Trop tard! Trop tard. Mais il n'y a pas écrit parce que c'est moi qui l'ai terminé. Donc, je l'ai terminé, clac! Ça me donne faim, son truc. Qu'est-ce qu'on va bien aller faire le dimanche à Bamako? On remarque qu'on peut aller à Soulani sur la plage, hein. Il fera peut-être encore beau là-bas. Hein. On va aller faire ça. Je doute, mais je vais aller voir. Pas encore de bébé. Oh là! Notre petite Pepper! Avec Bordax! Pulcotte et Nunuche. C'est encore un petit arbre généalogique, mais Coquelicotte, elle est morte. Bah ouais, ça fait un moment, je crois. Je sais plus. Qu'est-ce que t'as, t'es énervé, toi? Complimente. Illumine. Alors, attends, il faut que tu fasses son éducation là. Apprends la responsabilité, vas-y. Je suis obligée de la prendre en tant qu'enfant à charge. Allez. Ça, je peux l'éduquer. Éducation. Alors, poser des questions sur la phase. Vas-y, on va faire des. Encourager à faire des compliments. Oh oui. L'heure est venue pour moi de me mettre en question et l'autorité de me rebeller. Quelques câlins ou m'aider à faire mes devoirs pourraient m'encourager. Ah, d'accord. Voilà, déjà, découvre l'éducation. Donner des conseils familiaux. Ouais, elle va éduquer sa petite sœur. Hein. Reposer des questions sur la phase. Inciter à. Oh. Vas-y, tu vas frimer en montrant tes muscles, ce sera toujours ça de fait. Éducation, c'est là. On a déjà fait tout ça, hein, attention, hein. Waouh, t'as des big boobs, hein. Enfin, des big biceps.
Il est 21h, tu vas chanter. Ne va pas te coucher. Non, ça va. Non, c'est la vieille. C'est mamie qui va se coucher. Non, toi, tu vas. Allez, tu vas faire autre chose. Ouais, tu vas t'entraîner. Hein. La 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 la. Le chant, c'est ce que level 5, je crois. J'en sais rien. J'en ai. Je crois que c'est 10, hein. Oui, on sort, j'ai l'impression que c'est en confinement. Ah bah écoute, hein. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour tout le monde, hein. Enfin, pas pour les wesh de mon quartier, mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi tu grésilles? Elle est belle, hein. Elle est belle. Ça va, on n'a pas la plus moche. On est héritière. T'as intérêt à nous faire des bebons, hein. Garçon, fille, je m'en fous, mais des bebons. Moi, je joue pas avec des Sims moches. C'est bientôt l'anniversaire de Mini! T'es tant fatigué que ça? Oh, ça va! La vioque. Enfin, la vioque. Va te coucher. Attribuer le côté gauche à Nunuche. Allez, tout le monde au lit, les vieux, les moins vieux, les plus vieux. Allez, c'est bon. Va manger, va pisser, va dormir. En plus, il respecte à la trace, à la lettre ce que je lui ai dit. Hein. Je vais jouer des sec, il a joué des sec pendant 10 ans. Ah, mon pulco. Oh, t'es tout vieux maintenant, avec tes yeux marrons dégueux. Je l'avais pas encore parlé des yeux marrons. Fallait bien que je le fasse aujourd'hui. Vous êtes calme, hein, dans le chat! Oh là 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 là! Bon, elle dort. Tranquille. Peut-être que le lundi, on aura la réponse pour. Elle va bientôt grandir. Elle va grandir à la fin du live, je pense. Ça, pareil, dans le live prochain, elle dégage. Elle pue, par contre. Voilà. C'est très intéressant la nuit. Nous n'avons pas de vampires. C'est très bien. Bientôt, j'en adulte, du coup. Bah ouais. Elle va bientôt grandir. On est là. Je me fais à manger. Tu vas manger? Manger! Saint-Denis! Que trépasse si j'affaiblis? Va la douche, hein. Voilà. Tu peux te faire une petite. Tu vas peut-être chanter sous la douche rapidement. Ah, et puis il faut que je lui mette cette tenue-là à nuage. Et tu vas y manger. Il est 5h du matin, bordel! C'est pas une heure pour se lever, c'est à l'heure où moi je vais dormir. Ou je m'endors plutôt. Parce que je suis au lit depuis quelques heures déjà. Et mon Netflix m'aura ma peau. Ah, si on se levait, qu'on allait manger. Ah, merde, c'est l'hiver. Ah oui, ça va être moins sympa d'aller à la plage en hiver, mais bon. Voilà! Mais si, elle va être compatible avec contrôle des émotions. Enfin, oui, du coup. Enfin, bref. Parler des rêves. Est-ce que, du coup, éducation. Reposer des questions sur la phase. Oui, bah, elle est très curieuse, hein, écoutez, c'est comme ça. Inciter à. Tu peux toujours pas inciter. Des bichets, boy, nastache, demain. Des bons gnocchis à la courge, moi. Ok, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Et toi, tu peux lui dire quoi en éducation? Ah, à mettre la table, à jouer, à dormir, à faire pipi. Comme les chiens. Tu peux lui dire à Minnie, bon, bah, tu vas aller faire pipi. Que sa sœur, elle peut pas. Elle a pas les compétences aussi, hein. Normal. Bon, elle les aura avec ses chiens, hein, à l'éducation, mais bon. Pour l'instant. C'est la team casserole. Tout le monde au fourneau. Tout le monde au cuisine.
Moi, je vais pas cuisiner ce soir, je pense pas. I don't think I'm gonna cook tonight. I'm too lazy. Ah, mais attends, Caro? Coucou, Caro! Ah bah, dis donc! Bah, c'est pas grave, t'as pas dit bonjour. Je t'ai même pas vu arriver non plus. Tout le monde est en train de faire à bouffer? Ouais, c'est ça, en fait. Tous aux abris, ça va péter. Je vais te la faire chanter, celle-là. Ça neige! Mon pulco! Mon pulco, va te doucher. On va aller à la plage après, on s'en fout, même s'il fait moche. C'est histoire de bouger un peu. Bon, toi, tu vas... Voilà. Oh. Ouais, tiens, je vais faire le screen là. Ce sera parfait pour la miniature. Ah, mais voilà, hein, par contre, il clignotait pas encore la veille, donc bon. Voilà. Et elle va jouer au ballon. Allez, juste une journée. Oh non. Il est parti, Pulco! Mais elle est énergumène quand même, hein, tout va bien. Saleté! Faucheuse de mes couilles! Tiens, tu vas te présenter grossièrement, de toute façon, il va bientôt venir te chercher aussi. Donc c'est ce que je vous ai dit, il peut pas connaître ses petits-enfants. Et pourtant, on a été assez rapide pour perdre et tout, pour qu'elle ait un gosse, hein. Minute de silence pour notre pulco d'amour. Qu'on a connu tout petit bambin comme ça. Qui faisait caca dans la cuisine devant les invités. Quelle pute cette faucheuse. Je me rends compte que je n'avais pas fini mon iced tea. Ah bah vas-y, hein, à la tienne, t'as tout. Tu fais des bruits bizarres, Madame Faucheuse, hein? Vas-y, tu te présentes grossièrement aussi. Ce Nathalie, à la limite, je m'en fous, elle peut partir, mais plus le coup, quoi. Ah ouais, comment elle lui parle, à la faucheuse? Et toi, t'es qui, toi? T'es une faucheuse, hein? T'es une saloperie, toi? Voilà. Hé! J'ai jamais utilisé mes 50 ceintures sur la faucheuse. Jeune adulte, 2 sur 24, conjoint aucun, accueil aucun, enfant aucun. Ok. C'est une jeune faucheuse. Elle vient de commencer, c'est pour ça qu'elle a dit non. Ça va Tranquille? Nouveau record. Tu sais que ton papa, il est... Oui, d'accord, ton papa, il est... Il est mort. T'as des peines de cœur. On s'en fout. On savait pas que t'avais un cœur. Bon allez, on va se balader, on va aller à la plage quand même, c'est pas grave, Pulcotte n'est plus. Je pensais qu'on aurait encore eu l'occasion de voir son petit gras du bide et ses vieux pecs tout fondus sur la plage, mais on n'a pas eu le temps d'y arriver.
On va aller là. Ah, ça va faire chelou, hein. Nathalie, c'était un PNJ? Ouais, c'était un PNJ au final, cette-ci. Quelle tristesse. Je m'en bats qu'une crise des signes, Patrice, c'est ça. Il y a vraiment un monde entre ceux qui sont infectés et ceux qui ne le sont pas. C'est assez impressionnant quand même. On peut faire des enfants avec la faucheuse ou le lapin de Pâques. J'ai jamais essayé. Je crois qu'à un moment on pouvait le faire avec la faucheuse, mais c'est plus le cas. Alors est-ce qu'il fait... Ouais, ça va! Il fait chaud, il fait beau, il fait chaud. Ça sent bon le barbecue. Ah, ça y est. Eh hey, mais tu vas aller faire du sport, toi. Tu vas aller nager. Nager ici ensemble. On va tuer Nathalie, on va la noyer. Oh là là. Oh, les maillots de bain. Bon, c'est l'hiver, hein. Il fait un peu moins beau que d'habitude, hein. Oula. Bon, Nathalie, tu peux te noyer maintenant? S'il te plaît. L'angoisse. Les meufs, elles vont à la plage alors qu'il vient juste de mourir. Je suis quand même une petite bitch. Merci Hello Kitty pour le follow. Bienvenue à toi. Je pense qu'elle a refusé son... Non, 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 c'est... Quand Esther, elle a demandé à la faucheuse, ils ne connaissaient pas pour autant et elle avait accepté la requête. Hein. Sauf que maintenant, en fait, au lieu de remettre quand la faucheuse accepte de rendre la vie, malheureusement, il gagne que 24 heures, alors qu'avant, c'était, il réinitialisait l'âge de vieux là. En fait, ça allait jusque, ça remontait jusque là. Et en fait, là, c'est de l'arnaque. Eh, tu vas nager. Tu vas faire du sport. Je lui ai mis des noix de coco. Enfin, des pas des noix de coco, les machins. Bonjour, madame. Clémence Teriki. Ça pue? Bah écoute, tu n'es pas obligé de rester. Ah, le soleil arrive! Tu peux pas te faire bronzer. Il y a trop de nuages. Bonjour, monsieur. Ah bah d'accord, ils sont mariés et femmes, j'imagine. Oh là! Ok. Ça me rappelle quand ils ont fait ça dans Lord and Lady, j'étais là. Hein? Ah bon? C'est ça? Traîner. Je sais plus ce que c'est l'interaction, c'est genre traîner ou je sais pas quoi. Flamber de l'argent. Danser autour du feu, tiens, viens danser autour du feu, Mini. Elle fait un petit peu de nage. Nathalie, tu flottes ou t'as... Non, t'as été pas... Ouais, j'allais dire, on dirait qu'elle flottait bizarre, mais en fait, elle a juste les pieds par terre, quoi. Allez, fais un peu de ça. Se promener sur l'Aquazib, je suis sûre que ça va te faire du bien. Ouais, c'est un peu bizarre, il pleut, on est à la plage. Oui, Perle, non, c'est bon. Papa, il vient de mourir, tu crois quoi? C'est beau. Et vous vous souvenez qu'elles sont venues ici quand elles étaient gamines, les trois? On aurait dit des triplettes. Ben voilà, maintenant elles sont grandes. Hugo Lefebvre, Lisa Garcia, Maxime Soriani, David Dubois. Et Dubois. Nathalie s'amuse? Mais non, en fait elle est triste quand même. Attendez, on va aller voir ça si elle s'amuse. Oh bah ça va! Ça va quand même là! C'est un peu l'éclate la natte, hein! L'éclate, natte l'éclate, hein! On va la renommer comme ça, natte l'éclate. Mon mari vient de crever! Wesh, je m'en fous, je fais de l'aquazip moi! Regardez! Eh, ça va, elle est pas si triste que ça, hein, cocotte, hein, c'est bon, hein! Ça va! Ah voilà, ça s'amuse! Là, c'est les trucs qu'elles ont construits quand elles étaient gosses, les gars. Ils sont encore là? Quand même. Ça en fait du monde à la plage? Ah bah du coup, elle fait du ballon. Ses abdos. Je suis jalouse. Et toi, fais voir ton...
Et là, c'est plus un bodygo, là. Là, c'est trop dessiné, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? C'est comme ça. Hein? Oh, il pleut, on s'en fout. Va te détendre. Bonjour, madame. Manon Soriani, ah bah. Oh là, par contre, il me fait peur. T'as une drôle de tête. Il y a du monde! Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des araignées. Ah, c'est vrai qu'on peut trouver des trucs dans le sable. Ça fait zapper, moi. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Soulani, moi. Tu parles à quelqu'un qui a très froid, je crois. Ou alors c'est quelqu'un qui... Vas-y, Nathalie, tu vas pas percuter notre héritière, non? Saleté. Je t'en jure. Viens chercher des objets sur la plage. Les coquillages. Ah, c'est la tristesse. On fait un peu tristoun parce qu'il flotte. Ça lui fait ses coquillages. Il y a le livre de vie ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais bon. Pourquoi ils ont supprimé cette option? C'est pas une option, c'est juste qu'ils... Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit c'est triché, j'en sais rien. Je sais pas. Ah bah écoute, moi, chaque fois que j'ai épargné quelqu'un, ça a duré qu'une seule jour. Merci Lil Tay Pantu pour le follow. Ça a duré 24 heures, quoi, même pas. Oula, qu'est-ce que j'ai manqué? J'étais à la séance de karaoké en famille. Ah bah ouais. Pulco, il est mouru. Ouais. Oh, quelle belle barbiche, monsieur! Une barbiche qu'on voit pas tous les jours. Oh, bichette. Tu la connais, cette personne? Demande conseil. Comment elle va, nuage? Ça va? Tranquille, Émile? Ça va faire. Elle veut faire une sculpture de sable. Oh, mais c'est plus des abdos, ça, on dirait une coquille. Un truc de. Des carapaces de tortue, vous savez? Ça fait comme des carrés ou des cercles un peu. Ben, j'ai l'impression qu'elle a ça à la place du ventre. Elle a une carapace de tortue. Trouve un coquillage. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite fille! Trop mignon. C'est rare de voir des PNJ qui font eux-mêmes des trucs. Mais toi, t'es pas déjà dans notre quartier, toi? T'as déménagé? Tu viens bosser ici? Tu nous follow, en fait. C'est ça, tu nous suis, tu nous stalks. Ça, c'est... Ouais. C'est joli. Alors, c'est les mêmes que tout à l'heure, hein? Bon, je suis perdue. Je suis où? Où est mon héritière? Qu'est-ce que tu viens faire là, en fait? Ah oui, t'es là, d'accord. Et elle a fait du... Oh! Nuage, c'est Grey! Allez, on va aller au bar avec notre amoureux du moment. Oui, une carapace. Oui, bah voilà, une carapace au lieu du ventre, Nuage. C'est un peu moche, mais bon. Eh oui, c'est tristoun pour Pulcote, je sais. J'ai découvert... Non, il y en a un live de notre youtubeuse que la faucheuse peut ressusciter un sim si elle a une bonne relation avec. Bah oui! Mais là, on la connaissait pas, la faucheuse. Mais même sans la connaître, elle peut ressusciter. Mais... Oui, elle a pas voulu. J'aurais dû faire Nathalie, plutôt. Oh, Nathalie! Salut, Grey! Baiser suave, Grey, Grey, oh. Suave, ton baiser. Ce rencard est de mieux en mieux. Bah, attends, il vient seulement de commencer, mon coucou, là. Tu crois quoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est le mocheté de... Ah non, je croyais que c'était le mocheté de mage, mais non. Bah non, parce que je les ai virés, donc ça peut pas être... Ah non, bah, ils sont arrivés après que j'ai commencé le l'ordre des... De la fatigue. Là, il roule une galoche. Suis sûre qu'il y a des gens qui étaient juste à Soulani, là, et qui sont déjà revenus, là.
Mathieu Pokémon! Bah oui! Un descendant de la famille Pokémon qui est là. Oh, le look, Jérôme Garnier. Magnifique. Ce style, ce sens des couleurs, ah là 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 là, c'est superbe. Je suis obligée de prendre photo parce que moi, adorer ton style. Moi, vais le recopier en vrai dans la vraie vie après. Oh alors lui! Christophe Moore, il fait un peu peur quand même. Allez, vous allez picoler un coup, non? Tu vas commander à manger. Oh, plateau de fromage et charcutes. Oh ouais. Oh, le gros câlin. Commander. C'est quoi ces fringues de ski là? En plus, on a des fringues de ski alors qu'on peut pas faire de ski. C'est incroyable. Bientôt, je pense qu'on va faire du ski avec les Sims. Je pense que bientôt, nous aurons cette possibilité. Et les beaux yeux. Et Amandine Lewis. Et elle, Shivana Jaffe. Oh là là, je veux moi aussi les fromages charcutes, s'il vous plaît. C'est au hasard la faucheuse. Salut, Miss Yoko! Faut avoir un chrysanthème de la mort dans son inventaire. Le lit de la vie, sinon ça permet de ressusciter. Moi, je sais pas comment le faire. C'est pas grave. Non, moi non plus, j'ai jamais eu cette fleur dans tout mon. Depuis que je joue. C'est pas très très grave. Ah, ça y est, de nouveau Tristoun. Elle va pas vouloir faire crac-crac avec son chéri, hein. En même temps, je suis pas sûre qu'on puisse faire crac-crac ici. Y a même pas de douche. Y a un frigo. Je doute que l'on puisse faire ça dans un frigo. Les mouettes! Pardon, excusez-moi, hein, mais. J'ai une petite crise de hoquet, comme vous pouvez l'entendre. Tout va bien. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un qui peut à qui je peux parler pendant des heures. Oui, j'avoue. Tout va bien. N'inquiétez pas. Tout va aller mieux. Mais ça sert à rien de me donner des astuces bidons. Vas-y, fais du cloche-pied en buvant le nez, un verre d'eau par le nez, en réfléchissant à ce que t'as mangé il y a 3 jours et demi. Marche pas. Ça ne marche pas. Tu peux lui demander conseil, tout ça? Puisque tu es triste. Ce qui est compréhensible, moi aussi je suis triste, mais voilà, il est parti, il est parti, qu'est-ce que je fasse? Ça doit pas être très pratique les craquettes dans le frigo, j'avoue, avec les étagères, le chef qui tombe. En quoi que tu peux manger en même temps? Ça peut être bien. On s'en fout, on te parle pas. Bon, hey, tu vas aller aux toilettes parce qu'il y a un mec qui squatte votre conversation. Pardon. C'est chiant. Vas-y, tu vas te permettre une portion de charcuterie et de fromage parce que bon, t'es toute fine, donc même si tu prends du poids maintenant, c'est pas grave. Et je t'envie, tu peux m'en donner? La charcute, j'en ai pas. J'ai pas pris de charcuterie. Est-ce que je vais survivre ce soir en sachant que je n'ai pas de charcuterie? Je ne sais pas. Qui sont ces gens? Alexandra Adalka. Elle a une sale tête. Elle est très moche. Ça doit être la famille Drago. Oh, évidemment, c'est Karine Drago. Et là, c'est Miguel Argento. Oh, bah, ça doit être le fils. Celui qui vend des sous des machins à chaque fois, à chaque endroit où on y va d'ailleurs. Est-ce qu'il est dans le coin? Sébastien Boyer. Mais quel que des prix de beauté, dis donc, on va être content dans 1 ou 2 générations. Ah bah il est là. Il a effectivement changé de coin. Bah, pardon, vous voyez pas, il est là. Cette fois-ci, il vend du poisson. C'est très logique. Alors qu'Amélie Petit, elle, vend des poissons aussi à côté.
pas un petit minou qui traîne? Oh, les... oh, mais monsieur, vous revenez de la plage, vous avez oublié de vous habiller. Sent bon la charcute, le fromage, surtout le fromage. Oh yeah, ces soirées réservées aux hommes, gentlemen, peuvent aller au bar profiter des réductions sur les boissons. Mais nous ne sommes pas... Ah! Mon rencard, il est fini! Ah bon, on va se casser, hein. On va rentrer à la maison. Allez, on rentre à la zombie. Pignon bonjour qui vole juste à côté de nuages. Pignon? Pigeon? Pignon. C'est François Pignon. Mais non, ce sont plus que trois! C'est encore plus glauque. Je suis désolée pour le hockey, là, je sais pas ce qui... Je suis désolée. Je crois qu'on les a abandonnés à la plage. Oh, crotte. Il s'est barré sans... Ouais, non, mais c'est pour ça qu'elle va le larguer, hein. Largons-le! C'est ça! C'est pour ça qu'on va le larguer, cette enflure là, qui dit même pas au revoir et tout, qui est même pas sympa. Lui, il est tout sourire alors que elle vient de perdre son père et tout. Non, franchement. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, Jean-Pierre. Adonis, lui, sera gentil avec nous. Enfin, avec Nuage. Merci, Lise, Lila, pour le follow et bienvenue à toi! J'allais accélérer pour le chargement, mais ça ne sert à rien. Punaise! Par contre... Elle va avoir froid, là. Non? Non, ça va. Nuage, nuage, nuage. Mon petit nuage, tu vas venir là? Pardon. Oh, j'en ai marre de ce hockey! Avec d'habitude, c'était plus le code qui réparait. Alors, toi, tu vas certainement pas faire ça tout de suite. Toi, tu vas chanter. Non, 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 pas jongler. Pas jongler. Pas jongler, lélé. C'est toujours pas terrible hein, quand elle chante. Gwina! Je pense qu'on va malheureusement bientôt arrêter. Parce que je vais arriver à 1h22 de rediff. On va finir cette petite journée de dimanche. Triste. En chanson. Ah, oh, j'en ai marre de ce hockey. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a encore quelqu'un de chauve cette fois-ci hein? Ce n'est pas Jésus vampire qui vient frapper à notre porte. C'est... Encore quelqu'un d'autre? Quelqu'un de chauve, ce n'est peu... Je pense pas... Ah mais! Il est là! Le vampire! Le Jésus vampire, il est là! Et ça, c'est qui? Nathalie Okada. Mais on te connaît pas, hein. C'est pareil, on va pas... C'est pas parce qu'elle est dans l'entrée qu'elle va t'ouvrir la porte, hein. Ne rêve pas. Voilà, niveau 5 de chant. Il y a 10 niveaux. La 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 la. Pourquoi t'es tout excité? Ah oui, c'est vrai que tu viens de voir ton mec. Bon, à la moitié. Oh, quelle tristesse. T'iras manger après? T'es un petit peu fatigué? T'as un petit peu faim. Tu vas te taire le hockey, oui. Mais il est où Pulco? Bah... voilà. Il est parti il y a quelques minutes. Ce dimanche matin. Alors que je venais de cliquer sur lui pour l'envoyer manger. Et il a dit non. Je meurs. Et cette foutue enfoirée de merde de faucheuse a dit non. Je ne le ramènerai pas. Voilà. Elle chante derrière pour la narguer. Je devrais même faire la avec les Jéhovah. La 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 la, y'a personne chez moi. La 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 la, non, je ne t'ouvrirai pas. Non, 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 y'a personne chez moi. Je ne t'ouvrirai pas. J'avoue.
J'ai fait l'erreur, moi, quand j'ai emménagé dans cet appart. Genre, le premier week-end où j'étais j'étais dans cet appartement-là, ça a tapé à ma porte et moi je croyais que c'était. J'étais toute contente. Je vois, il y a quelqu'un qui tape, je me dis que c'est peut-être un voisin ou qu'un des potes qui passe et tout. Non, c'était des Jésus Alléluia. Alors, c'était, je sais pas si c'était témoin de Jéhovah, j'en ai aucune idée. J'ai fait cette erreur d'ouvrir la porte, elles ont commencé à me parler de Jésus, tout le bordel. Bon, après, chacun ses croyances, hein. Moi, j'y ai cru une époque, je n'y crois plus, donc c'est pour ça que, bon, voilà. Et machin, et Jésus, truc muche, sauf qu'elles sont venues toutes, tous les week-ends. Tous les week-ends, ça frappait à ma porte. J'ai fini par plus répondre. Mais tous les week-ends, pendant longtemps, toqué, toqué, jusqu'à temps que, bah, elles se disent on arrête, quoi. Parce que quand il y avait du bruit, quand je faisais du bruit, elles insistaient. Mais oh, bah non, mais dors pour de bon, cocotte. Allez, dors. Oui, t'es triste. Oui, papa, il va te manquer. Bon, ça va, il reste 7 heures, c'est bon. Tu vas te lever demain matin, tu l'auras oublié, ton daron. Hein. Bon! Je mets sur pause et j'enregistre. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Pour ce petit live sur le Note Sauberry, donc ben on verra la semaine prochaine, je pense que Mini, qui n'a pas grandi, j'ai oublié de regarder. On n'a pas fêté. Bon, c'est bon, elle grandira la semaine prochaine. Et puis Nuage rompra avec son petit ami. Et on essaiera de voir si Adonis peut emménager à la maison pour que je puisse le surveiller de près. Pour qu'on puisse après faire des bébés dès que ce sera dispo. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour la suite et puis pour autre chose sur ma chaîne. Des gros bisous, salut YouTube!